la suite sur notre plateau ce soir. Deux témoins exceptionnels du destin, de la vie de Johnny Hallyday. L'un a été son producteur, son compagnon de route, son ami pendant plus de 40 ans. L'autre est photographe et l'a suivi sur scène, en tournée, dans sa vie de tous les jours pendant plus de 20 ans. Pierre Billon et Renaud Corlauer sont ce soir nos invités. Bonsoir Pierre Billon, bonsoir Renaud Corlauer, bienvenue à tous les deux sur le plateau de C'est à vous. Il y a un an, la France pleurait la disparition de Johnny. Vous signez un an après, chacun, un ouvrage magnifique où vous racontez votre Johnny dans votre livre Renaud. On voit Johnny d'incroyablement près. Vous nous embarquez dans ces valises. C'est aussi beau qu'émouvant. Et Pierre, vous revenez sur votre longue histoire d'amitié, de travail, d'éloignement, de rapprochement. Vous nous faites aussi découvrir un Johnny méconnu, intime. On va en parler longuement, mais d'abord, le journal 20 minutes a lancé un appel à témoins, a demandé à ses lecteurs de raconter leur année sans Johnny. Comment avez-vous vécu cette année sans Johnny? Et vous, votre année sans cet ami, sans ce compagnon? Il a toujours été avec nous, en vérité. C'est-à-dire qu'on a, continué, non pas à faire hommage, non pas, on s'est beaucoup promené avec lui. On est reparti se promener avec lui, c'est ce qu'on a voulu faire. Et puis on a fait de la musique qui lui aurait fait plaisir, je pense, à droite, à gauche. Et comme ça qu'on a vécu, quoi, en se disant on y retourne. Et moi, en fait, bizarrement, je parle toujours de Johnny au présent, parce qu'il nous accompagne tous les jours, et avec la carrière magnifique qu'il a faite, je pense qu'il sera là encore longtemps. Donc, et je pense que c'est un bel hommage de ne pas parler de lui au passé. Pierre, dans ce livre, vous dites avoir encore en tête les images de la Madeleine, de cet hommage national rendu à Johnny Hallyday. Vous dites que ce jour-là, pour la première fois, c'est son public qui avait la vedette. Tout à fait, oui, bien sûr. Et c'est une vraie volonté de Laetitia et de Sébastien et de Sébastien Faron. Voilà, de Sébastien Faron, Seb. Le dernier manager. Voilà, d'avoir mis le public en vedette. Alors, personne ne chantait sauf le public. On leur a fait les playbacks, on a joué pour eux, et c'est eux qui ont chanté. C'était très émouvant parce qu'ils l'ont fait avec un cœur incroyable, avec un respect absolument dingue. J'ai pas vu un selfie pendant tout ce moment-là. J'ai pas vu une photo faite aux artistes. Je n'ai vu que des gens pleins d'amour qui voulaient chanter les chansons et qui étaient la vedette. C'était eux la vedette. La dernière fois que vous avez vu Johnny, c'était une semaine avant sa mort. Vous avez dîné ensemble avec lui et sa bande. C'était le 30 novembre. Vous lui avez dit à la semaine prochaine. Mais vous avez eu l'impression de lui mentir? Non, j'ai eu l'impression de lui mentir quand j'ai appris qu'il était parti. Mais au moment où je lui ai dit on se revoit la semaine prochaine, voilà ce qu'on va manger, voilà ce qu'on va faire et voilà le prochain voyage qu'on va faire, ce qu'il voulait savoir, ainsi que des choses plus délicates dans le genre tiens, tes bottes sont formidables, je lui ai dit tu peux pas avoir les mêmes si tu veux, fais pareil que moi. Mais voilà, c'était non, à aucun moment. Alors j'ai pensé que je lui avais menti le lendemain matin, mais le fameux 6 au matin quand j'ai eu tous les messages appris. Et qu'on m'a dit bah non, il est parti ton pote, voilà. Et vous, Renaud, quand l'aviez-vous vu pour la dernière fois? Moi, j'ai dû le voir 4-5 mois avant son décès, mais on s'est échangé les textos 15 jours avant qu'il parte. Vous avez arrêté de le photographier à peu près au moment où la maladie est devenue visible. C'était votre décision ou la sienne? Non, c'était pas... On n'a pas vu les choses de cette façon. Moi, j'avais fait une belle histoire avec lui, j'avais fait une merveilleuse aventure. Après, il était sur les vieilles canailles, c'était une autre énergie, c'était autre chose. Et après, il était malade, donc il fallait le laisser tranquille. Renaud, vous avez rencontré Johnny en 1995, je crois, par l'intermédiaire du rocker John Bon Jovi. Exactement. Est-ce qu'avant de le rencontrer, vous étiez déjà fan de lui? En fait, j'ai jamais été fan, moi. J'ai jamais été fan de personne, finalement. Je ne suis surtout pas fan des artistes avec qui je travaille. Je pense pas. C'est pas surtout pas. C'est je pense que quand on travaille avec un artiste, il faut avoir du recul, il faut avoir une distance, un rapport aussi, autant que soit peu, d'égalité. Il faut que l'échange soit simple. Ami mais pas fan. Pierre, vous avez accompagné Johnny pendant des décennies. Vous avez été son ami, vous avez été son compositeur, vous avez été son producteur. Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés? Il me semble que vous travailliez avec Michel Sardou à l'époque. Bien sûr, toute ma vie, ça a été avec Michel Sardou d'ailleurs. Et on s'est rencontrés parce qu'on faisait les Carpentiers, on faisait beaucoup d'émissions pour les Carpentiers. Mm-hmm. Et puis un jour, les Carpentiers m'ont demandé de faire une chanson
pour un spectacle bien particulier, c'est-à-dire pour un numéro un bien particulier. J'ai fait cette chanson, Johnny a trouvé ça rigolo, on l'a faite, on l'a chantée. Enfin, moi, je croyais que j'avais fait un truc extrêmement drôle et absolument hilarant. Enfin, j'étais tout seul à rire sur le truc. Lui, il l'a chanté tout droit comme ça. Et puis après, j'ai eu la grande chance de faire des tubes pour lui, comme on appelle ça. On vous voit, on voit des photos là. Qui défilent, ouais, voilà, de votre amitié. Je pense qu'on est à Nashville, là, déjà. Ouais. Là, on est déjà partis à Nashville, tous les deux. Alors, voilà, il y en a d'autres, là, encore. Vous aviez oublié de mettre un t-shirt, ça, Firmin. Oui. Mais une belle moustache. Alors, le premier grand acte de votre amitié, on pourrait dire que ça a été ça. Monsieur Jean-Philippe, s'il vous plaît. Consentez-vous à prendre tour et tour. Mademoiselle Adeline, bonjour. Mademoiselle Adeline, bonjour. Consentez-vous à prendre tour et tour. Monsieur Jean-Philippe, s'il vous plaît. C'est du rock'n'roll après tout. On dit les Américains, it's only rock'n'roll, but we like it. Ça veut dire, c'est juste du rock'n'roll, mais nous on aime ça. Voilà, c'était pas ce magnéto, mais on peut parler aussi de ces images, puisque c'est le mariage de Johnny avec Adeline Blondiot. Exact. Et que vous êtes son témoin. Témoin. Ça faisait la deuxième fois que j'étais son témoin. J'avais été déjà une première fois son témoin. J'étais... C'était un boulot, à plein temps. Tant que t'es un témoin, pas une balance, ça va. C'était plutôt témoin que balance, voilà. Et puis donc on en revient, voilà, à ce premier grand acte de votre amitié, c'est cet album, ce tube que vous lui avez composé, entre autres, « J'ai oublié de vivre ». À force d'être enfin sans arrêt le coupable, le voleur, le pilleur, le brûlant admirable, on a oublié de vivre. On a oublié de vivre. Quel tube. Voilà, un tube que vous avez écrit, produit pour Johnny. Est-ce que lui, il oubliait de vivre quand il n'est pas sur scène? Il n'était pas sur scène. Vous racontez dans ce livre... Oui, quand il n'était pas sur scène, il était calme. Voilà, c'est ce que les gens n'arrivent pas à comprendre. Amateur de télévision, de téléachat. Alors, de viandox. Quelqu'un qui est à 2000 à l'heure sur scène comme il l'était... peut pas être à 2000 à l'heure dans la vie, si dans son énergie, on a un certain quota d'énergie, on va dire. Lui, ouais. il envoyait le boulet sur scène, bien sûr. Mmh. Le reste du temps, il était relativement calme. Voilà. J'aime bien le relativement. Dans ce Vous avez, j'imagine, écouté son dernier album. Oui. Quel est l'avis du producteur, l'avis de l'ami? C'est un album de scène. C'est un album qui avait l'intention de continuer à faire de la scène, beaucoup de scènes, il voulait partir en scène. Et son album est un album de scène, ce n'est pas du tout « Ce n'est qu'un au revoir mes frères », enfin pour moi. Et l'album est bon, bien sûr, il est excellent l'album. Il est très dépouillé, voilà, c'est un très très bon album. Renaud ? Moi je trouve que, comme d'habitude, Johnny raconte toujours magnifiquement bien ses histoires. Et cet album reflète, je trouve, bien Johnny dans l'ensemble aussi de ce qu'il était. Et puis il y a plein de beaux messages aussi. Pierre, il y a une chose que vous racontez aussi dans ce livre, c'est lorsque vous racontez Johnny, vous changez un peu son mode de vie, et notamment, vous l'initiez à la fonte. Ah oui, tout à fait, bien sûr. C'est-à-dire la musculation. Un jour, il vient me voir, c'était, je ne m'appelle plus, je crois que c'est à l'Élysée Matignon, un truc comme ça. Il me dit... une boîte de nuit, bon, comme quoi ça pouvait arriver. Et donc, il me demande de le mettre en forme parce qu'il allait faire un spectacle... très basé sur Mad Max et très il fallait qu'il soit physiquement très très en forme. Et là, on est parti ensemble en Floride. On est parti ensemble à Miami, qui était un Miami qui n'est plus le Miami de, qui n'est pas le Miami de maintenant, qui est un Miami beaucoup plus calme. Et puis là, on s'est entraîné. J'ai eu un garçon formidable avec moi qui courait le matin, qui faisait de la fonte, et ça ne l'a jamais quitté jusqu'à la fin. Il courait le matin. Ah, ouais. Ah, il courait le matin. Il était donc du matin. Il était du matin. Il courait le matin. Entre les cigarettes, il est capable de tout faire. C'est ça qui est extraordinaire. Oui. C'est vraiment. Gauloise et jogging. Bien sûr, c'est un truc de fou. Une fois que c'était décidé. Oui, quand il a commencé à faire l'acteur d'une façon très très sérieuse, enfin, quand il est avec Nathalie. Avec Nathalie Baye. Il se levait à 7h30 du matin. Il se levait à 7h du mat, 8h du mat. Vous joguiez ensemble. Est-ce que vous êtes
te fait tatouer ensemble, parce qu'on voit là la couverture. Il y a une sorte de votre concours, livre. Et c'est vrai que c'est impressionnant. Ouais, là, là, vous êtes discret. Ouais, mais j'avais l'intention de me mettre nu à la fin. Mais bon, c'est toujours possible. Hein, mais ça vous ça est arrivé. C'est difficile, oui, bien sûr. Ça vous est non, arrivé. On a commencé. Moi, j'ai commencé avant Johnny. Vous l'avez initié peut-être alors. Non, je n'ai pas initié, personne n'initiait. Mais bon. Alors là, Jenny était vraiment difficile à infiltrer, comme on peut dire. À influencer, oui. L'influence était assez compliquée avec lui. Par contre, il grappillait à droite à gauche et trouve que les choses qu'il trouvait bien et il les appliquait intelligemment. Renaud, vous dites cette chose sur la silhouette de Jenny. Vous dites que c'est une des rares personnes que l'on pouvait photographier de dos. On savait qui il était. C'est incroyable, Johnny, je l'ai photographié de dos, à la fois sur scène ou quand il marchait dans les rues à New York, à Londres. C'était toujours incroyable, on peut le reconnaître. Il avait une silhouette, une carrure. On le voit sur cette photo. Ça, c'est dans la rampe d'accès, juste avant de monter sur scène. Même quand il prend le TGV, et c'est vrai, l'Eurostar, il y a une dégaine. Non, mais ça, c'est super, parce que c'est une vue, finalement, de lui à la gare de Saint-Pancras à Londres. Et j'aime beaucoup cette photo. Elle est belle, cette photo. On a l'impression qu'il fait une entrée sur scène. Alors qu'il a une valise à roulettes sur un quai de gare. Quoi. Et là, on est dans le quartier de Mid-Peking. Juste après. Pierre, dans votre travail avec Johnny, notamment au début des années 80, vous allez scénographier ses lives, ses shows. Il voulait toujours plus de grandiose. Est-ce qu'il voulait aussi toujours plus de shows sur scène? Oui, le truc avec Johnny, c'est que rien n'était surprenant avec lui. Par exemple, quand il dit le système du point, par exemple, c'est moi qui avais fait le point, c'est moi qui avais inventé ça. Voilà. Donc, tu arrives dans une réunion comme maintenant, tu dis, voilà, écoute, c'est assez simple, tu as un énorme point qui arrive, il se retourne, les doigts s'ouvrent, et tu es au milieu. Normalement, les mecs te disent, attends, ne bougez pas, on va appeler les infirmiers, ça va très bien se passer, vous allez vous calmer tout de suite. Eh bien, pas du tout, il dit, non, pourquoi pas, allons-y. Ouais. C'est ça qui est extraordinaire, et ça a toujours été comme ça. Il aimait bien les idées un peu folles aussi, il fallait lui faire des propositions toujours un petit peu en décalé, c'est ce qu'il appréciait, je pense. Vous disiez tout à l'heure, Pierre, il allait à 2000 à l'heure sur scène, c'était très très intense. Une anecdote que vous racontez dans votre livre, un soir de 83, au cours du show Fantasme à l'idée, Johnny est censé cracher du faux sang, et en fait, eh bien, il vomit. Personne ne s'en est aperçu. Personne. Parce que, quoi qu'il arrive avec Johnny, eh bien, il faut que ça continue, quoi. Il faut satisfaire le public. Il a pris un coup de lance un peu violent, faut savoir. Oui. Il a pris un coup de lance un peu violent. C'était très, très violent. Il y avait un duel avec des... Ah oui, c'était très, très violent. L'histoire était très, très violente. Et il avait même cassé les dents à des cascadeurs, sans vouloir, bien évidemment. Enfin bon, et là, il a carrément pris un coup de lance. Total. Donc, vraiment malade. Donc, il va backstage, il prend le petit flacon d'hémoglobine pour l'instant. Et moi, je regarde, je dis, quand même, il saigne beaucoup, là, aujourd'hui. Je vois à genoux, je dis, mais il saigne énormément. Il était malade à crever, mais personne n'a rien vu. D'un seul coup, il a fait ça, hop, et il s'est mis à chanter. Et ça, c'est inouï, quoi. Parce qu'il a douté, à aucun moment, il n'a douté. Il ne doute pas. Il s'est passé toujours énormément de choses sur scène avec Johnny. C'est là, sur scène, que vous préfériez le photographier? Enfin, pas seulement. J'aimais aussi beaucoup le photographier en studio. Mais sur scène, c'est vrai qu'il avait une énergie incroyable. Il était débordante. Il se donnait à quand il se jette comme ça sur scène. C'était toujours monstrueux. C'était magnifique. C'était un artiste qui avait une adrénaline incroyable. Avant de monter sur scène, parfois, il était un petit peu en retenue ou un peu fatigué, parce qu'il faut savoir qu'une tournée comme ça de 60 dates, c'est des dates quotidiennes. Et quand il rentre sur scène, c'est comme un cheval dans les starting blocks. C'est toujours merveilleux. Ouais. Donc il y avait la scène, et puis il y avait l'arrivée sur la scène. Vous parliez, Pierre, de ce point qui s'ouvrait. Et puis il est arrivé aussi à Johnny de passer par la fosse. Ouais. Et cette série de photos, notamment, on les voit, où vous traversez Bercy, collé contre Johnny, pressé par... Il y avait 17 000 personnes autour de vous. Est-ce que c'était un bon souvenir? Est-ce que c'était pas trop stressant? Parce qu'on voit les gardes du corps. Là, vous raconter, finalement, il n'y a que très peu de photos de cette scène parce que le cordon de sécurité a éclaté et je me suis retrouvé en face à face collé avec Johnny. Il faut voir que la foule compressait quand même très fort. Et Johnny m'a pris par le cou et j'ai fait la traversée de scène à ses côtés. Vous avez fait le bodyguard, quoi. Ouais, mais finalement, j'ai encaissé tous les coups, mais c'était super. Vous ne pouviez plus prendre de photos. Non, et il faut savoir, le grand pro, c'est que Johnny est monté sur scène l'air de rien, il avait perdu son micro. Et l'ingénieur du son l'a rééquipé, il a levé le poing en l'air et il est parti comme si de rien n'était. Et moi, j'étais bien fatigué. Comme quoi, vous n'auriez pas pu faire un show après, vous. Il était incroyable, vraiment là-dessus. Personne n'était au courant, il faut le savoir. Ouais. C'est ça, il a fait des coups comme ça sans que personne ne soit au courant. Parce que sinon, il n'aurait pas eu l'autorisation.
On ne l'aurait pas laissé faire. Bien sûr que non. Il aurait dit, tu ne peux pas le faire, ce n'est pas possible. Ah oui. Mais il l'a fait. D'ailleurs, on voit tous les mecs de sécurité assez affolés derrière. Tu vois Jimmy, qui est derrière. D'un seul coup, il te dit, non, mais j'ai réfléchi, je vais rentrer par la foule. C'est un truc de fou, quoi. Mais comme il est tellement aimé, tu risques pas grand-chose, quand même. Il a fait l'hélicoptère, il a fait... Enfin, alors qu'il avait l'air fiche. En fait, c'était bienveillant, mais les gens, ils essayaient d'attraper sa veste, des cheveux, des... Il était... C'était comme un demi-dieu, Johnny, pour ses fans. Pierre, vraiment, un demi-dieu, bien vous l'avez accompagné donc, dans les concerts, évidemment, Johnny, vous l'avez accompagné aussi sur des plateaux de télévision. Il a toujours tenu, dans cet environnement, à faire passer des messages. Exemple, en 1984, c'était face à Antoine Decaune dans Les Enfants du Rock. Je veux éviter d'être un chanteur de variété. Quand on me dit que je suis un chanteur de variété, ça me vexe beaucoup. Parce que pour moi, c'est pas la musique que j'aime. Si pour survivre, je dois faire ou refaire de la variété, comme j'ai fait de temps en temps, eh ben je préfère baisser mon froc et je préfère arrêter. Parce que finalement, ce que moi je fais le mieux, c'est le country music et le rock and roll. Comme dirait notre ami Dick Rivers ou Eddie Mitchell. Il était rock, Johnny, c'est tout. Ah, c'est les enfants du rock, ça. Ouais, c'est quand on est à Nashville, ça. Et effectivement, oui, c'est... Parce qu'il a eu une période variété, Johnny. Pardon ? Il a eu une période variété, Johnny. Alors non, oui. Il a eu des œuvres variété, mais la forme n'était jamais variété. C'est ça qui est extraordinaire avec Johnny. C'est-à-dire qu'il pouvait chanter n'importe quoi, quand il était, bien sûr, des titres italiens, des très, très variétés, mais la forme, le fond était jamais... C'est-à-dire que quand il arrivait, quoi qu'il arrive, c'était du rock'n'roll. Ça a été extraordinaire, quand même, de voir ça. Dans une autre interview, 10 ans plus tôt, il avait une autre formule où il disait « Je suis un chanteur de rock corrigé par la variété ». Ah, c'est possible, bien sûr. Petit compromis comme ça. Vous savez, quand on travaille sur l'image d'un artiste, on voit bien les attitudes qu'il donne. Et Johnny, c'était vraiment l'icône du rock'n'roll. Dans ses poses, dans ses postures, la cigarette au bec, comme ça, c'était même de dos. Mais c'était devenu instinctif et c'était pas du tout travaillé. Il était instinctif. Non, il était rock'n'roll. C'était un vrai... Toutes ces photos, elles sont en noir et blanc, Renaud. Pourquoi? Pourquoi? Elles parce que en couleur, j'imagine. Ouais, elles sont toutes photographiées en couleur. Mais déjà, c'était un parti pris. On avait discuté avec Johnny. J'ai fait ce livre comme un livre des années 60-70 avec Johnny ou les Rolling Stones ou avec David Bowie. C'était donner une imagerie forte. Et j'avais peut-être l'impression qu'en photographiant en noir et blanc, j'avais photographié un peu plus son âme. J'ai pas tellement réfléchi à tout ça. Je sais pas si on peut la voir là. C'est quasiment le penseur de Rodin. Non, voilà. Bon, voilà. Ah, c'est magnifique. Magnifique. Johnny travaillait toutes ses poses sur scène. J'avais l'impression de faire des photos studio finalement, tellement il. C'est une sculpture là quasiment. Ses poses étaient orchestrées. Très belle éclairage. Somptueux. Pierre, vous dites quelque chose qui évidemment résonne tout particulièrement aujourd'hui. Tous ceux, et ça a été votre cas dans les années 80, qui à un moment donné ont été écartés de l'entourage artistique de Johnny, l'ont mis sur le dos de leur compagne de l'époque, que ce soit Nathalie Baye, Aline Blondiot ou plus tard Laetitia Hallyday. Et vous vous dites, c'est une grave erreur, parce qu'en vérité le patron, c'est lui, ça a toujours été lui. Bien sûr, toujours. Moi, la première chose que quand j'ai été écarté, moi, j'ai été écarté fort peu de temps, ça a été 2 ans, donc c'était pas bien long. Mais quand j'ai été écarté, bien sûr, je me suis dit, c'est à cause de Nathalie, c'est Nathalie. C'était pas Nathalie du tout. J'ai été écarté parce que, intelligemment, il fallait que je sois écarté. Moi, j'avais fait tout ce que je pouvais faire. Parce que je pense que j'étais plus très, très bon sur la fin. Et Johnny l'avait senti? Et malgré votre amitié. Oui, il l'avait senti. Et je pense qu'il fallait qu'il récupère un public qu'il n'avait pas, qui était, on va dire, le public des intellos, quelque part. Et ce public, Nathalie pouvait lui amener à travers Berger et à travers le film qu'il a fait après, en fait, etc. Donc c'était très malin raison, de sa alors, part. Ouais. C'est Nathalie Baye qui l'amène à Godard, notamment. Exactement. Bien sûr, c'est Nathalie Baye qui. C'est à bout de main. Alors d'un seul coup, il remet les chaussures plates, il met les pantalons en lin et il reprend sa couleur naturelle. Ça n'a pas duré longtemps. Hein. Mais... C'est le diable. Le diable est quand même très très vite revenu, il faut le savoir. Mais bon, c'est arrivé pendant un moment, tu vois. Mais de toute façon, Johnny avait besoin de 109 en permanence. Toute sa vie, il a fait ça, que ce soit avec tout le monde. Il avait besoin d'une nouvelle inspiration, besoin de puiser des choses et des énergies différentes chez les personnes qui l'entouraient. Et c'est normal, un artiste, c'est ça aussi. Vous dites même, Renaud, Laetitia a épousé 2 hommes. Celui qu'il était quand il l'a rencontré et celui qu'il était 10 ans plus tard. Elle l'a à ce point métamorphosé. Changer. Je pense, mais c'est Johnny qui a changé aussi. Ouais. Johnny, il y a eu plusieurs périodes. En 2009, il est tombé malade. Il y a eu un Johnny avant et un Johnny après. Mais c'est normal, tout ça. Moi, j'ai connu un Johnny finalement américain à Los Angeles. On s'est beaucoup côtoyé de cette manière-là. Et fondamentalement, les choses changent après. Toutes les décisions que Johnny a pu prendre, y compris ces dernières années, il les a prises seul et en connaissance de cause. C'est en tout cas ce que Laetitia a expliqué sur TF1 il y a quelques semaines.
La volonté de ce testament appartient à mon homme. Je ne suis pas responsable de... Il a rédigé ce testament. Il n'était pas manipulé. Il estimait qu'il avait protégé David et Laura de son vivant, qu'il avait fait des donations de son vivant à travers des appartements, des maisons, et qu'il les avait protégés et qu'ils étaient armés pour se construire et pour vivre, alors que Jade et Joy sont toutes petites. C'est un choix d'amour. Réhabiliter Laetitia, qui est devenue une veuve noire au nid, c'est aussi l'intention de ce livre, Pierre ? En partie, oui, bien sûr. Mmh. En partie. Personne n'ose imaginer que ce soit Johnny qui ait pris ses décisions tout seul. Pas Laetitia, c'est Johnny qui les a prises, ses décisions. Voilà. Alors qu'on soit d'accord ou qu'on soit contre, c'est lui qui les a prises. Mais comme personne n'ose dire que Johnny est le vilain, personne, ben voilà, c'est Laetitia qui prend. Mmh. Johnny, mais Johnny le n'est pas le vilain. Non, mais dans l'esprit de certaines personnes, on peut penser ça. Mmh. Ceux qui tapent maintenant sur Laetitia vont être les mêmes qui vont dire « ça ne peut pas être Johnny ». Mais si, c'est Johnny qui a pris les décisions, point. Voilà. Vous dites « c'est ma pote, il a fallu que j'aille au combat, j'en ai marre d'entendre des choses horribles sur elle ». C'est vrai. Une partie de ce combat, c'est on vrai. Peut le trouver dans ce livre qui retrace aussi vos 40 ans d'amitié. C'est Johnny, vrai. Quelque part un aigle, très joli titre. C'est signé Pierre Billon et c'est chez HarperCollins. Inside, c'est aussi lourd que c'est beau. Voilà, Johnny Hallyday, photographié par Renaud Corlouer. C'est magnifique. Préface de Mickey Rourke. Hein, oui, préfacé par Mickey Rourke. Ouais, tout va bien. Hein. Non, c'est excellent et magnifique ouvrage aux éditions du Cherche Midi. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus ce soir sur le plateau de C'est à vous.